Coucou mes petites sirènes à l'essence, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Alors j'ai pas dormi chez moi cette nuit, Zozo était toute seule donc je m'en voulais déjà. Et il y a Manon par-dessus qui m'a dit tu viendrais pas dormir chez moi et on va à l'escalade demain. Alors oui, mais j'en connais une qui va faire la gueule. Parce que quand je ne suis pas là, Madame pleure. N'est-ce pas Madame? Oula, j'ai l'air bizarre comme ça. Madame! Ben oui, c'est de vous qu'on parle hein. Bref, je vais partir. J'ai comme toujours 41 minutes de route. J'ai pas pris ma gourdasse. J'espère que Manon en a une pour l'escalade demain. Bref, après, on va en Belgique et tout. Enfin, j'aime pas trop ne pas dormir chez moi, mais en même temps, ça me change les idées, quoi. Donc, non, trop contente. Comme par hasard, tout ce matin, il faisait beau et tout. Là, je sens que je vais me prendre la pluie pour aller chez Manon. Bref, let's go. Je pense n'avoir rien oublié dans mon petit sac Little Marcel qui est juste là. Donc, on y va. C'est parti, j'ai pas beaucoup dormi par contre, ça se voit énormément et je vais sûrement pas énormément dormir non plus ce soir. Donc bon, ça va être génial demain matin, je vous ferai des petits rushs. Je suis bien arrivée, la route s'est bien passée, c'est cool. J'ai soif sa mère par contre. Oh, et je suis tellement fatiguée. Oh, c'est horrible de prendre la route quand on est fatigué, mais j'ai trop soif. Je suis arrivée au taf en plus de Manon, j'espère qu'elle pourra me donner de l'eau, genre celle la patronne, normalement elle est manager. Tu m'offres un accès au fer au parc? Bien fait par Chloé. Comment ça? Elle est trop bonne. Non. Bouffonne. Quelle bâtarde. Bah ouais. Je glisse pas du tout. Attends, on peut freiner ou pas? Attends, y'a un gosse, y'a un gosse Manon, je fais comment? Y'a un gosse. Ok Manon, 3, 2, 1. Ouh, ça glisse pas du tout. Quelle gamine. Quel âge, rappelle-moi? 27 ans. Putain. Je veux un bisou. Et allez, c'est reparti. Je veux un bisou. La folle au chat. Je veux un bisou. Non. C'est pas un vrai bisou, ça. Fais-moi un bisou. Là. Bisou. Non. C'est mon bisou. Regardez le philodendron variegata qu'elle a. Incroyable. 7 euros. Je suis jalouse. Tu t'aimes. Voilà, c'est ça. T'as un mec qui chante avec le cœur, mais t'en as aussi là. On va où, Manon? À l'envers. Comme ça. Hein? C'est le nom du bar. Comme ça. Ah, nickel. On va à l'envers. Ouais. Ah, c'est le nom du bar? Ouais. Ok. Elle m'a prêté sa doudoune, j'adore. C'est Micheline. Elle est faite pour moi. Je reviens pas qu'on trouve des trucs comme ça. On est sœurs. Ouais. À skip, on a l'air de sœurs. Tout le monde nous dit qu'on est sœurs. Parce qu'on est rousse et qu'on a des eyeliner et un piercing au nez et des écarteurs. C'est une vidéo hein. Ah d'accord. Oh putain. Où est-ce que je suis tombée? Le mouffon est là, où folle. C'est vrai. Il est tellement réactif, putain. Zoé, elle s'en bat les couilles quand je fais ça. Ça pourrait être le papa de Zoé. Ah ok. Chop. Et puis là, hop. Ah, il est où Kurt? Allez, c'est parti. Voilà. Météo de la semaine pour les cancers. Grand soleil. Mot d'ordre de la semaine. Profitez de la vie. Les jours de la semaine, dimanche. Mm-hmm. Vous débutez la semaine sur une note stressante avec la lune en bélier, c'est lundi. Mars en bélier peut vous donner l'impression d'être bousculé. C'est qu'il peut générer du stress et de l'attention. Prenez quelques respirations profondes et rappelez-vous de ne pas laisser les pressions extérieures perturber votre équilibre intérieur. La nouvelle lune en taureau apporte un nouveau départ et pour vous, cela signifie un besoin accru de sécurité et d'ancrage. Prenez le temps de vous connecter à vos racines, à votre foyer et de renforcer vos bases pour vous sentir en sécurité et soutenu dans tous les aspects de votre vie. Le 9 et 10 mai, avec la lune en gémeaux, vous êtes encouragé à apprécier les plaisirs simples de la vie. Évitez de vous surcharger de travail et prenez le temps de vous détendre, de profiter des petits moments de bonheur et de vous reconnecter avec ce qui vous apporte le plus de joie et de satisfaction. C'est vrai, en plus, j'aurai masse de taf après. En fin de semaine, lorsque la lune entre dans votre signe, les 11 et 12 mai, l'accent est mis sur les activités à la maison.
Prenez plaisir à cuisiner de bons repas, à créer une atmosphère chaleureuse et confortable chez vous et à passer du temps de qualité avec vos proches. Ces moments de douceur et d'intimité vous permettront de recharger vos batteries émotionnelles. Ok, et en amour là? Non, c'est tout. Ah, ok. C'est l'amour cette semaine. Ah bon? Et Lyon. Oh. Oh. Alors. Oh bah non, tu te réveilles maintenant là. Le troisième réveil va sonner dans une minute. On va à l'escalade. C'est l'arrêt. Trois réveils. Allez. Je me réveille au troisième. Non. Si. Non. Si. Non. En plus, tu ronfles. C'est vrai? Ouais. Ah, ça, c'est parce que j'ai mes bouchées. Non, menteuse, tu ronfles. Ok. J'ai trop bien dormi. On va alors aller de plein. C'était trop. J'ai dû m'arrêter en voiture. Il fait pipi. Rien à battre de ma gueule. Mais oui, oui, oui. Non, mais tranquille, c'est pas sur rien ça. Regarde là, hop, hop là. Ma nappe. On va où maintenant? Gratter. Let's go, escalade. Ouais. On est en tenue. On y va. Let's go. Pour l'instant, je vais garder mon pied minuscule. Et c'est génial ici, j'ai pas encore filmé. Mais c'est trop trop cool. On voit déjà dans la vie. Waouh. Mais toi, t'abuses là. Ah là, on est bien. La pointe. Ah, mais j'ai plus d'énergie. Allez. Bon, nique sa mère. De toute façon, je l'ai déjà réussi, ça va vraiment. Pointe. Je vais être chiante comme toi, hein. Pointe. Mets tes deux pieds sur celle du mieux. Non, tu peux mettre ton pied sur celle où t'as ta main. Je le ferai pas comme ça, moi, non? C'est tellement pas impressionnant, genre vrai. Ouais! Et tu sautes. Ah si! Ouais! Tu te fous de ma gueule? Chloé! Ouais, mais ça marche. Mais t'es tellement grande. Il y a une prise en forme de colon. C'est un colon orange. Un colon orange. C'est le mien. Tu veux le faire? Oh, presque. Pourquoi je fais ça, moi? Oui. Tu l'as eu. Yes. Il y a pas de la babou et je vais laver mes mains. Ah, ça va plus. Manon, ici c'est tolérance zéro. Donc tu commences pas avec ton caractère de bélier, je te connais. Sinon c'est la police qui arrive, d'accord? C'est écrit où la police? Expulsion. T'as menti, y'a pas écrit la Polizei. Polizei en belge. C'est en belge. Oh. Elle a demandé un doc 79 alors qu'on est en Belgique. Alors que c'est 79, qu'elle est con, putain. J'ai honte. Mais regardez le petit spot après l'escalade. C'est vraiment génial ici. Oh là là, c'est trop beau. Payé au moins. Il y a des gens là-bas qui nous regardent en mode qu'est-ce qu'elle fait. Moi, je m'en tape. Manon, j'espère qu'il y a les trucs vegan, hein, je rigole pas. Hein. On vient exprès pour ça. Yeah. C'est bon, hein, faut arrêter au bout d'un moment. Tu me fais grave penser à quelqu'un. Allez. Ma poubelle. Guess my room. Je suis en pleine session de tournage TikTok. J'ai plein d'inspiration, c'est trop cool en ce moment. J'ai mis de l'auto-bronzant hier, ça me fait une face orange. Je regardais la différence. Oh, c'est pas beau. Hein. Mais c'est pas grave, c'est assez discret. Ce soir, je vais au resto, manger une pizza, ça va être trop trop cool. Je suis en forme en ce moment, c'est peut-être la nouvelle lune. Oh, la nouvelle lune, elle m'a empêchée de dormir hier soir, j'étais là genre... Mais après, il paraît que c'est pour le mieux parce que c'est pour des changements positifs et tout. Donc, on y croit, on fait confiance à l'univers. Thank you, next.